Just going home, have a late, late show. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une journée dans mon assiette. Je m'excuse pour le cadre et notamment la cuisine pour cette vidéo parce qu'on va faire le ménage quand on sera tous ensemble ce soir, mais en attendant c'est vraiment sale et genre mal rangé, mais je vous rassure, ce n'est pas tout le temps comme ça. En fait, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de journée dans mon assiette étudiante parce que tout simplement cette année je vis la plupart du temps avec mes potes et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de filmer. Pourtant on fait des plats beaucoup plus élaborés qu'avant parce que c'est vrai que dans mon appart il y a plein de trucs qui marchent pas, genre le four ou les plaques de cuisson qui sont bof, donc je mangeais un peu tout le temps la même chose l'année dernière. Mais c'est vrai que cette année j'ai l'impression de manger beaucoup moins sain, dans le sens où je mange beaucoup moins de légumes, de trucs comme ça et tout. Donc là j'essaie vraiment de me remettre à manger des légumes et à manger moins de trucs genre déjà préparés. Même si mes potes ont déjà l'impression qu'on mange hyper équilibré, mais c'est parce que moi de base j'ai une alimentation très équilibrée, notamment quand je suis toute seule, genre vraiment je fais jamais, enfin j'achète jamais de gâteaux, de trucs comme ça, ou voilà. Cette vidéo elle est pas du tout faite pour culpabiliser des gens ou pour vous dire de manger de la même manière que moi et tout, c'est pour vous donner des recettes, pour vous montrer un peu. Et aussi parce que moi j'adore ce genre de vidéos, vraiment c'est les vidéos que j'aime trop regarder sur YouTube, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer comment j'essaie de faire attention tout en n'ayant pas faim, parce que c'est hyper important de pas avoir faim, notamment quand t'es étudiant et quand tu dois taffer et tout. Un petit truc, je suis le jeûne intermittent, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Je le suis à peu près tous les jours, après il y a des jours où je vais moins le suivre, genre je sais pas si je suis en manque d'énergie ou quoi. Donc je mange pas le matin, surtout depuis que je suis en fait en cours à distance, parce que je ressens pas du tout le besoin de manger le matin vu que je suis dans mon lit et tout, je prends juste un café. Mais voilà, c'était juste un petit aparté, je pourrais refaire des vidéos pour vous en parler, genre mon expérience sur le jeûne intermittent, mais il n'y a pas tant de choses que ça à dire, voilà. Donc je vais vous laisser avec la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à vous donner vos recettes étudiantes et à vous abonner si ça vous intéresse. Girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend... Live life, man, what is up, though? Damn, what the fuck is up with me? Destroy your shit when I go low. And I'll never care about the custody. Man, they just wanna be some. Damn, I know we'll be that. But we'll be honest, honest. Damn, cause we starving artists. Man, but we ballin', ballin'. Ok, donc là, ce midi, je suis toute seule. Donc, je vais principalement faire du riz avec, comme vous avez vu, des aubergines. Je trouve ça trop bon parce que c'est carrément équilibré, mais ça me cale vraiment. Un truc que je fais vraiment tout le temps et sans exception, c'est boire beaucoup d'eau. Ma mère m'a acheté cette gourde, donc j'en avais déjà une avant et je bois au moins une gourde genre avant mon repas du midi, notamment parce que je suis chez moi, donc voilà, genre j'ai pas envie de faire pipi après. Sinon quand j'ai cours en vrai, je bois pas du tout autant d'eau parce que sinon c'est trop chiant pendant les cours.
Bon, là du coup, vu les popos, ils sont en rue Progéco. Donc là, j'ai arrêté les plaques parce que sinon ça va être trop cramé. Je crois qu'ils finissent dans une demi-heure, ça va être trop cuisinant. Du coup, maintenant on va faire une activité super sympa, c'est d'aller vider les poubelles et je vous amène avec moi. Et ensuite, voilà. Très cocu tout ça. Il y a beaucoup de bouteilles si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me dire si vous avez kiffé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous.